Salut à tout le monde. Comme vous pouvez bien imaginer, je suis encore là aujourd'hui pour l'affaire du faux accident de Samy. Et c'est vrai que le pauvre a été enterré. C'est vrai que, comme on dit de façon prosaïque, dans Facebook, que chaque jour il y a les nouveaux dossiers et beaucoup sont passés à autre chose. C'est vrai que à Kribi, il y a une dame qui a reconnu avoir investi sa mère avec sa voiture et il y a sûrement une assurance qui veut indemniser la famille. C'est vrai aussi que tout un commissaire a certifié avec toute son autorité qu'il y a eu accident. C'est vrai que une banque a mis à la disposition une vidéo de sa caméra de surveillance. C'est vrai que des éminents blogueurs, ceux par qui beaucoup jurent, ont certifié l'authenticité de cet accident. Avec tous leurs followers, des milliers de followers. C'est vrai tout ça. Mais c'est aussi vrai que je n'ai pas encore fini mon travail sur cette vidéo. Parce que cette vidéo a eu comme la malchance de me trouver sur son chemin. Et c'est vrai. Quelqu'un pourrait parler d'un acharnement, d'une témérité, d'une insistance de ma part à continuer avec cette histoire que pratiquement tout le monde a déjà laissée, sauf quelques rares. Mais moi, je ne vois pas pourquoi je devrais je devais laisser tomber. Parce que, voyez-vous, ça c'est une très mauvaise histoire. C'est une histoire qui devrait faire peur à chaque Camerounais qui aime son pays. Et a encore confiance en lui et en ses institutions, comme c'était le cas du pauvre Samy, malheureusement. C'est une histoire terrible. Et donc, c'est une histoire qui ne devrait pas finir comme ça. C'est vrai que avec le climat de corruption qu'il y a au pays, c'est fort probable qu'au niveau de la justice, ça aille finir comme c'est en train d'aller là. Mais au niveau de la vérité, surtout en ce qui concerne cet accident, Samy a déjà eu la vérité. Parce que les gens le savent déjà que cet accident est faux. Beaucoup même avaient déjà le suspect. Sauf que il fallait aller analyser, aller fouiller dans les codes audiovisuels
Et encore faudrait-il être capable de le faire. C'est alors là où je me suis engagé à jouer ce rôle. Et donc, j'ai pris sur moi. Et c'est pour ça que je dis qu'au moins la vérité va sortir. C'est pour ça, d'où mon insistance. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir, qui ne comprennent pas que je sois toujours figé là, c'est une question de vérité pour Samy. Parce qu'il n'a pas fait cet accident, du moins tel qu'on nous l'a montré. C'est une question de vérité pour moi-même. Parce que je ne peux pas maîtriser un domaine comme je pense modestement de maîtriser. Et les gens m'inventent un accident comme ça du jour au lendemain. Et moi, je suis là. Je laisse ça comme ça. Surtout dans un pays où moi, je prétends vouloir le changement. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je continue d'ailleurs à espérer qu'à travers ces vidéos, vu que tout le monde ne peut pas être corrompu dans un pays, quelqu'un va se lever, va dire que bon, il faut que je voie un peu plus clair là. Ne serait-ce qu'au niveau de l'accident, je dis bien. Parce que moi, je ne me suis pas occupé d'autres choses. Parce que l'hôpital et tout ça, c'est des choses que moi, je ne maîtrise pas. Mon avantage dans cette histoire, c'est parce que j'ai les moyens de ma politique, comme on dit. C'est-à-dire, j'ai le matériel, j'ai tout. Et je maîtrise. Donc, je confirme à 100% que cet accident sur cette vidéo n'a pas eu lieu. C'est un montage, c'est une superposition d'images. Les gens se sont levés un matin, ils ont inventé un accident pour fabriquer une preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont pris plus de 20 figurants et acteurs pour que chacun joue son rôle. J'espère que ces blogueurs qui ont certifié ce faux accident vont revenir à des meilleurs sentiments. Parce que s'ils ne viennent pas s'excuser, ils n'auront pas servi la vérité. Du moins, dans ce cas précis. Peut-être qu'ils font du bon boulot ailleurs. Mais moi, je ne crois plus en leur sincérité. Parce que cette fois-ci, ils ne sont pas en train de servir la vérité. Ne serait-ce que pour la mémoire de Samy. Et surtout pour des gens qui prétendent le changement, c'est indigne. Pour revenir à la vidéo de ce soir, par exemple, la dernière fois, j'ai parlé de la mise en scène et j'ai insisté surtout sur le comportement des personnages et tout ça. Mais je n'ai pas vraiment parlé de la voiture qu'on dit qu'elle a connu Samy. Donc, sur cette vidéo, je vais plus insister sur sa trajectoire par rapport aux autres voitures qui transitaient aussi par là. On va voir si cette trajectoire est normale, si elle est conforme à la configuration même de la rue. Donc, il n'y a aucun... Moi, je n'accuse personne. Mais je dis, dans un pays, on ne peut pas accepter qu'on ait seulement un suspect, que les gens inventent tout un accident. On bloque presque la route avec des policiers. Tout un commissaire vient filmer le faux dans le direct de mon ami Biemton. J'ai dit qu'il a filmé le faux. Et donc, on va voir cette trajectoire de la voiture-là.
Donc on passe au niveau de la vidéo. À tout à l'heure. Et nous voici donc à nouveau sur notre vidéo. Et la scène se passe devant cette caméra dite de surveillance d'une banque. Et là où les personnages se meuvent comme si c'était une scène de théâtre et sous forme de mise en scène. Comme je vous disais lors de ma dernière vidéo à propos. Et nous allons parler de la trajectoire de la voiture, mais avant, j'aimerais insister sur la mise en scène dont je parlais la dernière fois. Et sur cette vidéo que j'ai commencé un peu avant l'impact, vous voyez le bonhomme avec la glacière sur la tête avec le t-shirt jaune. Vous le voyez là, c'est comme s'il voulait traverser et après il désiste. Il n'est rien d'autre qu'un éclaireur qui vient voir si tout est en place pour qu'il aille occuper sa postation. Et comme il a vu, en regardant en face de lui, que les conditions n'étaient pas réunies, il a battu en retraite en attendant que les conditions soient réunies, notamment l'arrivée du groupe de l'autre côté de la rue. Et surtout, à droite de votre écran, vous allez voir le jeune homme avec le plateau sur la tête, celui par qui beaucoup de choses commencent. Avec lui, il y a aussi le monsieur sur la moto, à côté de la voiture bleue, la voiture garée. Donc, vous allez voir bientôt le jeune homme avec le plateau sur la tête arriver à droite de votre écran. Le voilà qui arrive. Regardez sa cadence, regardez la démarche, regardez la vitesse. Et du coup, vous allez voir qu'il s'arrête sans raison apparente. Et il regarde du côté où le groupe est en train d'arriver. Il fait quelques secondes et après il recommence à marcher. De ce côté, vous voyez que la moto aussi a bougé. Donc voilà, c'était le signal qu'il a donné aux autres le long de la rue. Voilà. Donc, après, il y a l'accident. Et maintenant, on va voir comment la trajectoire de la voiture qui cogne Samy n'est pas comme pour les autres. C'est vrai qu'elle a cogné, mais on voit que la voiture continue presque tout droit. Regardons bien la voiture, elle cogne. Le conducteur ne tourne pas le volant, la voiture continue. Il suffit de voir le regard de Camden. Mais ce qui est curieux, c'est que la voiture, à quelques 2 mètres de Camden, on ne la voit plus. Ce n'est pas normal. Et on a souligné la trajectoire de la voiture avec la couleur rouge par rapport à la trajectoire normale. Vous voyez que la voiture ne se voit plus, alors que c'est une grande voiture. Et on va la comparer avec les autres. La première qui est cette pick-up blanche. Et elle est un peu plus grande que notre voiture. On la voit aborder la même zone que celle de l'accident. Elle dépasse le poteau. Vous voyez que elle ne va pas, elle ne s'enfuit pas
dans la végétation, sous le feuillage, comme la voiture qui connaît Samy. Vous voyez qu'elle est toujours visible, conformément à la trajectoire verte que nous avons tracée en vert et qui se termine sur la limite blanche. Et on va prendre une autre voiture. Et cette fois-ci, c'est même une voiture plus petite que notre voiture qui cogne Samy. Toujours blanche. Vous voyez qu'elle parcourt presque la même trajectoire. Et bien qu'elle soit plus petite, vous voyez qu'elle reste toujours visible à celui qui regarde la scène. Elle reste visible par rapport à la voiture qui cogne Samy, qu'on ne voit plus après un bon bout. On ne voit presque plus. Vous voyez la trajectoire verte qui est respectée. Elle ne descend pas. C'est après la ligne blanche qui a la vraie descente et qu'on va commencer à ne plus voir la voiture ou la voir de moins en moins. On prend encore une autre voiture, plus petite encore, du moins plus basse, une berline. Parcourant plus ou moins la même trajectoire, on voit que la berline marche, elle arrive au niveau du point où il y a eu l'accident. Elle traverse le poteau, elle ne s'enfuit pas dans le feuillage, on continue à voir sa toiture, bien qu'elle soit plus petite que la voiture qui cogne Samy. Et nous continuons à dire que la voiture qui cogne Samy, on devrait la voir un peu plus par rapport aux autres voitures plus petites. Et c'est une anomalie. C'est une anomalie due au fait que la voiture qui cogne Samy, c'est un élément étranger à cette scène. C'est pour ça que elle a une trajectoire pas conforme. Donc maintenant, on compare avec une autre voiture, souffle plus ou moins avec les mêmes dimensions que cette voiture qui cogne Samy. Vous voyez que conformément aux autres voitures, elle va conserver la même trajectoire. On va continuer à la voir. Elle ne va pas disparaître derrière le feuillage ou sous le feuillage, comme la voiture qui cogne Samy. Et voilà ça. Donc c'est maintenant on va revoir la voiture qui cogne Samy, comment elle se comporte. Vous voyez comment elle va en pente, conformément à la ligne rouge. On la voit, elle disparaît presque. Mais on ne peut pas dire que... Regardez la position de quand même, il est de profil. Donc, la voiture est juste devant lui. On ne peut pas dire que la voiture a pris... qu'elle a tourné, qu'elle a viré, par exemple, du côté de l'arbre, non. Donc, la trajectoire de la voiture n'est pas normale. La trajectoire de la voiture n'est pas normale. Et donc... il y a un problème. Bon, cet arbre est un élément fondamental de la scène parce que après l'impact, on nous cache ce qui arrive après, ce qu'ils ont appelé l'impact parce que tout est fictif. Donc vous voyez l'arbre dans sa splendeur, vous voyez comment il est beau, le feuillage est transparent. Jusqu'à un certain niveau, quand ils vont décider de commencer leurs opérations, ils vont commencer à rendre l'arbre le moins transparent possible. Vous allez voir que tous ces espaces-là qui auraient pu nous aider, même pour voir ce que serait devenue la voiture qui aurait cogné Samy après l'impact, vous voyez que maintenant, là, un monsieur vient là avec... une espèce de parasoleil et
il camoufle une bonne partie de cet espace-là. Et ce qui va nous permettre de ne rien voir. Tous les autres espaces, comme vous pouvez voir, par exemple, là où c'est encerclé, vous voyez que c'est plus opaque par rapport à ce que nous avions avant. Ils ont ajouté comme des filtres qui rendent tout moins transparent. Et c'est devenu très mal à voir. Vous voyez que rien ne transparaît plus comme avant. Et c'est ce qui rend encore plus suspect toute cette histoire. Toutes ces images que vous allez voir, par exemple, c'est l'image dont j'ai déjà parlé au milieu de la chaussée. Vous voyez que cet espace-là a été modifié parce que j'avais fait des vidéos antérieures pour dénoncer ça. Et ils ont essayé d'arranger, mais ils n'ont pas. Ce n'est pas homogène. Et ici, c'est l'emblème même de la superposition. Parce qu'ici, regardez l'homme en orange qui est entre les vigiles. Bon, regardez maintenant les deux dames, une la policière et l'autre qui passe là. Elles sont vêtues en bleu. Vous allez voir que quand elles passent entre les policiers, comme vous voyez, la couleur bleue disparaît. C'est l'exemple même d'une superposition à travers un fond bleu qui a mal tourné. C'est pour ça que quand ces femmes-là passent entre les vigiles, la couleur bleue disparaît. Et bon, voilà, je voudrais m'apesantir un peu sur cette femme en bleu-là. Et tout au long de cette vidéo d'une trentaine de minutes, la vidéo longue, on va voir cette femme-là plusieurs fois. Et elle est vraiment l'emblème de ces gens-là, de ces acteurs et figurants qui ont participé à cette mascarade. On va la voir juste après ce qu'ils ont appelé un pacte. Elle est derrière une moto ici. Quand l'accident a déjà eu lieu. Ce serait même aussi une occasion, si, comme ils disent que c'était que cette vidéo authentique, ce serait donc une bonne occasion pour que cette femme-là, elle pourrait se reconnaître sur cette vidéo, pour que cette femme-là vienne témoigner, pourquoi pas. Et qu'on nous dise aussi pourquoi tout ce beau monde qui est sur cette vidéo-là, personne n'a pris une photo. Personne n'a fait une vidéo.
C'est l'un des rares accidents au Cameroun où ça se passe que aucun témoin ne fait aucune photo, aucune vidéo. Et donc, c'est ce qui confirme une fois de plus, c'est même ce qui a amené tous les suspects. Un accident dont même les journalistes n'ont pas parlé avant et tout. Bon, je vais m'arrêter là et à nous revoir probablement pour une autre vidéo. Merci pour le suivi. Bye.